Hare Krishna, toujours dans Krishna Balram Mandir, bon accueil, nous avons un grand plaisir pour accueillir les autres dans nous la cuisine, Mangeons Veg. Moi avec nous l'équipe Mangeons Veg, aujourd'hui nous permettons une bonne recette pour autres qui nous appelle ça Karizak au panir. Et suivez-les bien et un cari bien top même ça. Et qui nous est dans sa Karizak là, nous avons un Zak même, là où vous trouvez mon Zak, mon fini nettoyer, mon déjà montré comment nettoyer Zak dans les passés. Et là, mon fini nettoyer, mon couplé un peu gros, et plus mon panier, mon fini faire mon fini fruit du tout, c'est pour faciliter, parce que le panier, nous le faisons plusieurs fois. Et plus nous avons une pomme d'amour là-dedans, nous avons un petit lani, safran, hing, jitin, gingembre, feuille curry, et puis nous avons la poudre masala, de l'huile. Et nous vous servons un chicken de l'eau avec du sel aussi, nous avons. Là, sans tarder, vous trouvez là moi on a un grinder, blender, et nous coupons un peu plus petit. Là où vous trouvez qu'il est un peu gros, nous coupons un peu gros, mais là moi faire un peu plus petit. Voilà. Et là nous coupons ça bien cher, mais pas un chicken d'huile dans sa blender là comme ça. Elle prend lui nous mettre lui là-dedans dans nos plutôt, comme on peut dire blender, plutôt les grinder, hein, ne grind pas dans sa bande broc là. Voilà. Top net. Voilà. Super. Là où vous trouvez que ça mon fini crasli. Par exemple, comment nous ici, nos traditions nous couplent. Ticaré, carizac, nous cuisons carré. Il prend longtemps pour cuire. Nous gaspillons combien de temps, gaspillons combien de fait tout. Mais quand nous grindons comme ça, 2 minutes 4. Correct. Voilà, là nous finissons. Après, nous attaquons nos pommes d'amour. Nous coupons nos pommes d'amour. Là, nous attaquons nos pommes d'amour. Nous coupons nos pommes d'amour petit comme ça. Voilà. Là, nous allons nous gifler. C'est ce qu'ils nous appellent caraï au fait. Ça veut dire nous mettre. Nous m'en mettons l'eau du fait. Et nous avons un piment aussi optionnel. Si je voulais mettre piment, je le mettais. Et bien cher, piment, on va dire, quand nous mangeons, nous devons manger bien l'eau. On va dire, juste pour gagner sa goût piquante, il donne le goût. Pas manger piment trop faux, trop. Il n'est pas pour bon. On va dire, manger dans la passion. Là, mon panier, vous pouvez trouver, mon fini fouiller, mon couper, mon. Il finit pareil, Zach il finit pareil, tout mon bande d'épices il pareil, c'est un qui appelle ça. Nous finissons mettre une mise en place là. Là nous attaquons dans marmite. Là nous mettons nos marmites, il presque chauffer, nous mettons un peu de l'huile là-dedans. Voilà. Là il peut chauffer. Nous ne pas laisser nous de l'huile trop chauffer net, on dirait quand nous mettons des épices peuvent briller. Non. Là nous mettons nos petits lani pour aussi. Nous mettons nos gingembre. Et puis nous avons un hing. Jitin, feuille curry. Nous laissons roussir. On peut roussir comme ça, top net. Comment on peut parfum venir, alors ça, extra. Comment parfum venir, on peut gagner ça parfum. La digestion peut commencer à travailler là. Et puis, nous mettons nos zacs là-dedans. Bien facile, c'est simple. Les enfants même mal faire ça. Voilà. Nous avons fini par dans le grinder, on moule. Et aussi comme ça. À ce terre, nous mettons un peu de l'eau pour les aider de la cuisson. Mettre safran, la poudre curry, et puis nous mettre nos pommes d'amour. Et nous avons nos piments aussi, nous mettre nos piments. Bien.
ici PL là. Nous ajoute du sel. Ça nous couvert et toujours le petit diffé, comment tout le temps expliquer, nous baisse nous dicter, nous la flamme, petit diffé. Qu'il est au moins 100 degrés. Là nous couvert dans un 3 ou 4 minutes, nous venons checker le côté d'arrivé. Voilà, nous finissons nous l'air, nous checker le côté d'arrivé. On découvre la marmite, et voilà. Super. Vous voyez, il est bien. Il est sec. Quand il est sec comme ça, il est bon. La pomme d'amour, là, tout l'in couille là-dedans. Bien. Là, sans tarder, nous mettons nos paniers là-dedans. Tourner un petit peu. Vanille l'un des gens finit frit ali, pas de problème. Et à ce temps-là, nous avons photo mini. Nous arrosons un petit peu là-dedans. Avec un petit peu d'aller nous mettre pour nous garnir. Voilà. Super. Tain le fait. Maintenant, le repas est prêt, monte à table. Il y a une diet bien balancé. Il y a sa protéine, il y a tout là-dedans, sa vitamine, sa protéine, tout. Voilà, nous rangeons bien. Et voilà. Ça nous. Carizac avec panier. Mettez un peu de cotomini, nous garnir là, comme ça. Super. Et voilà, c'est bien simple, bien facile. Et j'ai fini de gagner une bonne idée, j'ai prendre note tout, mais elle sait faire. Quand j'ai fini de faire, j'ai même le goût de l'IST. J'ai même pour dire. Pour nous capables de réaliser nos recettes Jacques Moulu au cube de panier, nous pouvons comme ingrédients 2 tasses de Jacques Moulu, 1 tasse de cube de panier, 1 cuillerée à café de hing, 3 pommes d'amour, 1 cuillerée à bouche de thym, une branche de feuilles de curry, une cuillerée à bouche de gingembre râpé, une cuillerée à bouche de graines de cumin, une cuillerée à bouche de poudre de masala, une cuillerée à café de poudre de curcuma ou safran, salée selon votre goût, de l'huile, aussi de cuillerée à bouche de feuilles de coriandre. Et voilà, nous finissons nos carizac au panier. Et c'est tout bien spécial. Et là, nous allons avec un autre spécial encore. Nous allons faire un baked cauliflower avec haricots rouges. Ça n'a son nom en anglais. Nous allons dire baked cauliflower, c'est-à-dire un essoufflé qui nous permet d'en four. Mais là-dedans, nous avons l'essoufflé même. Nous avons poivron rouge, poivron jaune et poivron vert. Et puis nous avons haricots rouges, nous finissons bouillir. Et comme ça, nous avons fromage, nous avons la poudre conflot, du sel, gingembre, nous avons romarin, romarin, j'ai gagné partout, nous avons basilic aussi, et puis nous avons origan, du poivre, nous avons du thym persil, avec de l'huile d'olive, et plus nous avons du lait, nous mettons du lait bouilli là. Sans tarder, nous attaquer avec nous. Les souffler même. Là où vous trouvez mon souffler, je suis content de nettoyer, je coupe les bouts, je nettoie bien. Et là, je coupe les plus petits petits encore. Voilà, comme ça. Petit petit. Mettre direct dans du lait. Là nous avons nos romarins, nous mettons nos romarins là-dedans, entiers même comme ça. Et nous allons mettre un petit peu de poivre là-dedans. Laissez bouillir là. En attendant l'épée bouillir toujours, nous coupons nos poivrons toujours.
voilà, tout est fini pareil. Là, nous checkons un chigin, nous soufflons quand il arrive. Nous faisons un trapline ou un coup quand il couille. Là, il y a encore un petit peu de temps. Laisse-le couiller encore. Et puis, comment il finit de couille, là, nous pouvons attaquer avec les autres affaires. Là, nous sommes capables de mettre un chigin origan aussi là-dedans. Et voilà, nous gagnons un petit peu de temps qui nous souffle à l'infini pareil. Nous n'avons pas besoin de laisser trop cuire, bouillir net. Nous avons besoin de chicken croquant. Là, il est top net. Là. Premier, nous tirons ça romarin là-dedans. Là, il bouille là, nous avons tiré, nous étions pas de problème. Là, à ce terre, nous avons nous différents. Nous tirons ça, là, nous prenons les, nous mettons dans nos plateaux, nous étalons là-dedans pour nous. Là, nous tirons ça, gilet là, nous gardons un côté, taler à nous pour servir. Là où tu veux, mon fini, taler partout, partout. Là où tu veux, mon taler partout, partout. Et puis là, qu'il me fait, je prends un chicken de sel parce que je ne peux pas mettre du sel dans le gilet là. Là, je prends un chicken de sel. Arroser un chicken partout. Bien chicken parce que nous pouvons mettre encore du sel là. Là, nous fini pareil. Nous gardons à côté. À ce temps, nous le préparons pour poivron rouge, poivron vert et poivron jaune. Un carail, nous mettons un carail au feu. Nous laissons chauffer. Là, nous avons nos romarins. Nous déplimons nos romarins comme ça. Nous mettons presque chauffer. Nous ne laissons pas trop chauffer net. Nous mettons un peu d'huile d'olive. Nous mettons un peu de gingembre. PSI et nous gardons un chicken PSI pour taler aussi. Nous laissons aussi. Et puis nous mettons nos poivrons rouges, poivrons verts, poivrons jaunes. Nous mettons tout ensemble. Du sel. Origan. Un peu de l'eau, nous prenons de l'eau là dans nous la main comme ça, nous arrosons là dedans. Nous couvrons pour 2 minutes, voilà. Et faut ne pas les pas get ça les sec net là et les crame crame aussi, les pas trop cuit. Là, les bons, nous tenons nos dipets. Là, nous avons dit dans nos plateaux, là, encore. Nous faisons portage partout, partout. Tout gagne pareil. Nous prenons nos gilets. Nous mettons l'eau du fait comme ça. Nous laissons les chauffer un peu, gilet là. Là, vous trouvez tout une pareille là-dedans. Et puis, nous prenons nos haricots. Nous arrosons l'eau là. Super. Et ces haricots là qui fait nous ajoute là-dedans, il augmente un petit gain, il balance. Ça mange là, vous voyez, il peut balancer. Il y a nos protéines tout. Et là, nous attendons nos gilets. C'est ça, gilet qui nous met ça souffler à la bouille. Et c'est ça, gilet, nous ressouffler un petit gain. Là, nous avons nos, la coupe conflot. Nous mettons un petit peu de l'eau là-dedans. Nous délayons. Et là, nous la même, nous battons comme ça. Il fond là-dedans. Pour vous sentir, il fait un petit boule, petit boule. Ou continue tout net. Il faut finir. Fond encore. Et puis, nous vidons là-dedans. Et puis, nous mettons du sel.
Voilà. Tu peux dire celle. Nous avons nos PSI. Nous arrosons nos PSI là comme ça. Nous avons nos basilic. Basilic là. Et puis nous avons nos romarins aussi. Puis nous avons coupé petit petit là. Nous fanny partout là. Nous gilet pareil. Nous prenons nos gilets, ils viennent comme un petit peu épais comme ça. Nous arrosons l'eau là. Voilà, super. Super, j'ai eu top net la table grâce aujourd'hui. L'huile d'olive. Voilà. Super. Top net. Et voilà, à ce nous mettre ce fromage là. Voilà. Et voilà, nous mettons tout ce bon ingrédient là-dedans, ce légumes là-dedans, comme dit Roger, nous mettons ce matériau bien, ce chest tout bien bon là-dedans, nous finissons battre tout correct, parce que nous avons envoyé au four. Voilà, et nous allons nous four 10 minutes avant, l'eau 180 degrés. Et nous avons envoyé au four. Voilà, allez au four, Béla. Voilà. Rentre au four, et bien cher, dans 15 minutes, nous venons checker. Il y en a juste pour gratiner ça. Tout fini cuit là dans juste fromage pour fondre. Dans 15 minutes, nous retournons. Et voilà, nous gagnons 10-15 minutes. Ok, là, il paraît. Regarde comment il est bien joli. Et là, nous sommes capables de tirer un petit morceau comme ça, nous tirer. Nous présentons dans nos plats. Super. Quand la sauce comme ça, il est bien bon. Pas faire des cayennettes. Comme ça, quand vous mangez du pain, il est bien super. Et bien facile. Essayez à le faire. Et surtout d'un petit dimanche, un petit plat au pain. Vous avez super top. Pour nous capables réaliser nos recettes baked cauliflower with milk, nous lisons comme ingrédients un chou-fleur moyen, une tasse de haricots rouges bouillis, un poivron rouge, un poivron vert, un poivron jaune, une cuillerée à bouche d'origan, demi-cuillerée à bouche de gingembre râpé, une cuillerée à bouche de persil haché, une cuillerée à bouche de thym, une branche de romarin, une branche de basilic, demi-cuillerée à café de poivre en poudre, 3 cuillerées à bouche d'huile d'olive, 1 tasse de fromage râpé, salé selon votre goût, 2 ml de lait et 1 cuillerée à bouche de cornflour. Comment je tout connais, comment manger veille tout le temps, lui donne un petit bénéfice, un petit affaire pour le bien-être même. Comment qui fait nous dire manger veille pour la bonne santé. Et ici nous peut préparer un jus avocat. Là, nous pouvons une saison avocat et pour gagner avocat, je suis capable de faire jus si je ne pas les manger comme ça même, en salade, en la crème, en n'importe quelle façon. Mais là, nous faisons d'une façon, faire un jus d'avocat. Là, nous pour prendre nos avocats, nous coupons en dés. Voilà. Et nous ouvrons. Super, joli avocat. Là, nous pouvons couper comme ça. Voilà. Et nous avocats tous les temps, nous aimons ces avocats-là. Quand nous pouvons garder, disons, on coupe ça, on peut servir juste ça la matière-là. Et ça la matière-là, on peut garder. Je te laisse ça la graine-là toujours là-dedans. Quand je garde la graine-là là-dedans, il n'est pas pour vivre noir. Si je tire la graine-là, les autres garder, il est pour vivre noir. Là, je te garde, il est pour préserver la graine-là, pour préserver. Là, nous tirons comme ça, nous rouvrons. Regarde ça, super. Tirons comme ça, nous pouvons mettre dans nos blenders direct. C'est-à-dire là, moi, pour faire des affaires dans un, là, moi, pour faire une affaire pour comment je vais faire un facial, hein, la crème pour nous passer nos figures avec ça, et comment nous pour faire un jus aussi, dès dans un, nous pour faire là.
Là, on fait aller la pâte et la crème. Je vais voilà, je vais comment on peut faire là. Je ça, mon faire un petit peu là. Je prends de l'huile olive. Je bien, je prends de l'huile olive, je mets un petit peu de valeur. Sur la quantité qui je peux expliquer aux autres. Je vais mettre ça de l'huile olive là. Et puis, nous prenons un. Du citron, nous pèse là-dedans. Voilà, sans qu'ils mettent sur la grain. Nous battons. De l'huile d'olive, du citron, avec sa avocat là. Là où vous trouvez l'invité de la crème. Je prends ça, je passe le autres figure, les autres l'écho, je te laisse pendant 10 minutes, 10 ou 15 minutes, après je prends le bain, ou ça je lave le figure. Les poutières, tout ça va le bouton jeunesse, et puis les poutières nettoyer, les poutières, ça va le toxine qui donne ça. C'est un qui appelle facial, on dirait, face care. Et puis là, nous allons faire un autre jus naturel et d'avocats pour nos bénéfices même, surtout dans les matins, les bons. Et là, nous mettons de l'eau dans ce mixeur-là. Nous mettons un petit peu de glaçon. Et puis nous allons mettre un petit peu de glaçon dans nos verres aussi. Et d'ici que les dépenses autres. Je ne vais pas dire aux autres qui ne peuvent pas mettre d'ici, et je ne vais pas dire aux autres qui peuvent mettre d'ici aussi. Je suis content de mettre un peu d'ici pour les plaisirs, je vais mettre. Et si je ne pas les mettre, je vais mettre. Mais là, nous mettons un petit peu. Je vais mettre un petit peu d'ici. Nous mettons un petit peu d'ici dedans. Et puis, nous tournons le blender. Nous mettons ici. Bien bon, pas trop vite pour moi vite. La noix est comme ça. Il smoothie. Super. Et ça, ce glaçon tout là-dedans. Et voilà. Pour nos jus d'avocat, les ingrédients sont les suivants. Demi-avocat, un verre d'eau, sucré selon votre goût. Voilà, ça nous utilise les avocats et nous avons appelé les smoothies avocats aussi. Et ça, quand on prend ça dans les matins, quand on peut boire ça cool, net, on peut dire où, enjoy ça. Et voilà, le programme il prend fin ici. Et en attendant nos prochains programmes, très bientôt. Et moi, je vous dis Hare Krishna. Bye bye.